Monsieur Dam, bonjour. Comme vous le voyez, nous sortons de la toute première réunion du gouvernement restreint que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a bien voulu mettre en place. Je retrouve dans cette équipe restreinte trois anciens membres de l'équipe sortante. Il s'agit du ministre de l'Administration territoriale, du ministre des Affaires étrangères, et puis du ministre de la Défense et des anciens combattants. Des cadres de mérite et de grande valeur que je souhaite féliciter et remercier d'avoir accepté de nous joindre dans cette équipe restreinte-là. Il y a également trois nouveaux ministres qui font leur entrée. Il s'agit du ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Il s'agit du ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, et puis du ministre de l'économie et des finances. S'ils sont là, en ce moment, où les enjeux sont vitaux, c'est évidemment en raison de leur parcours, de leur qualité intrinsèque et de leur savoir-faire chacun. Et je n'ai aucun doute qu'avec leur concours, avec le soutien et l'accompagnement du président de la République, nous allons pouvoir relever les défis et surtout les missions que le président de la République nous a confiées pour les jours et les semaines à venir. Je voudrais en profiter pour remercier également le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance renouvelée à ma personne le 11 juin dernier. Les leçons que j'ai tirées de ma première année de magistère, ajoutées à cette confiance que le président de la République a bien voulu m'accorder, me poussent, je dois dire, à beaucoup plus d'humilité, notamment face à la situation de crise que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. J'ai encore plus conscience que tout chef de gouvernement que je suis, je ne puis qu'être le premier d'entre les pairs afin que tous ensemble, nous parvenions à atteindre des résultats attendus de nous. Attendus de nous par le président de la République, attendus de nous par le peuple malien. Et c'est cela le plus important, je pense. J'ai conscience aussi, et je pense que chaque membre de cette équipe restreinte en a conscience, nous avons conscience que la valeur ajoutée de cet exécutif restreint qui a été mise en place est de pouvoir négocier dans les meilleurs délais la sortie de crise, crise dans laquelle nous sommes. Non seulement de régler cette situation de crise-là dans les meilleurs délais, mais d'aller très rapidement également vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et surtout vers le retour à ce que nous considérons tous ensemble ici comme étant la normalité pour notre pays. Et c'est à cela que nous sommes tous ici aujourd'hui en train de s'engager. C'est une instruction évidemment du président de la République, chef de l'État, qui a mis le Mali au-dessus de tout. En ce qui nous concerne également, nous ne ménagerons aucun effort et nous allons mettre le Mali au-dessus de tout et surtout au-dessus de chacun d'entre nous pris individuellement. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel sincère à nos sœurs et à nos frères du M5 RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire ici, et en cela, chacun des membres du gouvernement me rejoint en cela, j'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place incessamment. Le président de la République n'a pas cessé de le dire, il ne cesse pas de le dire, et le Premier ministre que je suis y croit fermement. J'y crois fermement parce que tant dans la majorité que dans l'opposition, notre pays
regorge de compétences avérées, de très grandes compétences d'ailleurs. Et ces compétences-là, il est temps qu'elles se mettent toutes à la disposition de notre pays, le Mali. Ici et maintenant, aujourd'hui et pas demain. Demain, il sera déjà trop tard. En ne pensant qu'au Mali, l'intérêt du Mali et l'avenir du Mali. J'ai confiance, chaque membre de cette équipe restreinte a confiance et nous allons nous mettre au travail immédiatement pour pouvoir arriver à cette situation-là. Et j'espère que cette offre de dialogue que le président de la République a eu déjà à faire à plusieurs reprises, offre de dialogue que nous relayons aujourd'hui cet après-midi, pourra être entendue par les acteurs du M5-RFP, non seulement entendue, mais acceptée et nous permettre de sortir de la situation de crise dans laquelle nous sommes et nous occuper de ce qui est essentiel pour notre pays et pour notre peuple. Merci beaucoup.